Le monde fantastique des observatoires semble déjà ne plus appartenir à notre planète. Les paysages ensoleillés se déroulent paisiblement au pied des coupoles dans lesquelles se transforment notre vision et notre conception du ciel. Pour l'astronome, le Soleil n'est qu'une étoile parmi bien d'autres, beaucoup moins importante que d'autres, et simplement plus proche de nous. Alors que pour les êtres vivants sur la Terre, le Soleil est à la fois le dispensateur de l'existence et l'horloge infaillible sur laquelle cette existence est réglée. Pour rendre compatibles ces deux conceptions, accélérons la course du Soleil en multipliant par 1000 la vitesse de son mouvement apparent dans le ciel. Alors que le Soleil, en disparaissant derrière l'horizon, laisse place aux étoiles qui, d'un même mouvement, prennent aussitôt le relais dans la course céleste. Notre vanité seule nous place au centre de l'univers. Nous avons beau savoir que c'est la Terre qui tourne, nos yeux n'en voient pas moins le ciel tourner. L'astronome, lui, possède le moyen de rétablir l'ordre vrai des choses. Il lui suffit d'imprimer à son télescope un mouvement qui compense exactement celui de la Terre. Ce grand télescope moderne, en pivotant autour de son axe horaire, suit automatiquement la course d'une étoile. Son mouvement s'étend ici sur une nuit. Sa vitesse est accélérée de 1000 fois, comme le Soleil et les étoiles que nous avons vues tourner. Ainsi, en s'accordant à la rotation apparente du ciel, le télescope montre aux observateurs les étoiles immobiles. Il reste encore un obstacle à surmonter. Ce sont les couches agitées de l'atmosphère terrestre qui donnent aux étoiles leur scintillation. Car elles scintillent, les étoiles. Ce phénomène parasite, l'astronome le supprime. Le ciel devient alors parfaitement fixe et nous pouvons surprendre son rythme propre. Comme toute chose dans la nature, on sait aujourd'hui qu'il se transforme, évolue, palpite. Fixons par exemple cette étoile. C'est Delta Cephei. Au premier regard, son éclat paraît constant. Mais la caméra la suit dans le temps et nous révèle ici, accélérée 500 000 fois, une pulsation qui s'étend sur 5 jours. Delta Cephei appartient à une espèce fort commune, les étoiles variables. Chacune a sa périodicité propre, de plusieurs mois pour certaines, à quelques heures pour d'autres. Des étoiles comme T du Taureau sont agitées de soubresauts, déchirées d'explosions et d'orages, peut-être à la veille de mourir. À la veille, entendons-nous. Dans 100 000 ans, dans 1 million d'années. Mais qu'est si peu de temps pour un astre? L'espace d'une agonie.
regardons le centre presque inhabité de cette région du ciel. Le télescope y voit tout à coup briller d'un vif éclat, comme une étoile nouvelle, un astre resté longtemps obscur. En quelques mois, cette énorme bombe à hydrogène, née de quelques bouleversements internes, flamboie, rayonne, puis, après quelques sursauts d'énergie, se calme doucement. Parmi les étoiles, il en est de variables, d'instables, mais aussi des étoiles doubles, révélées par la puissance des télescopes. Comme la Terre tourne autour du Soleil, chacun des compagnons tourne autour de l'autre, et plus ils sont proches, plus ils sont rapides. Ces deux étoiles mettent en réalité 150 ans pour effectuer un tour complet. Depuis des siècles, les astronomes prennent ainsi le pouls des étoiles variables, suivent la valse des étoiles doubles, regardent naître ou mourir les novées. Dans les cartes et les atlas du ciel, ils les ont représentés par des points. Dans la réalité de notre univers à trois dimensions, il faut les imaginer dans l'espace. Seul le cerveau d'un astronome peut concevoir la réalité physique du ciel, réalité que nous avons tenté de reconstituer scientifiquement dans cette maquette. Nous sommes dans la région d'Orion. En haut à gauche, cette étoile énorme, rouge, c'est Bételgeuse. À droite et en bas, la grosse bleue, c'est Rigel. Ce sont les deux étoiles les plus brillantes de la constellation. Bételgeuse est beaucoup plus grosse et plus près de la Terre, mais sa température froide, que nous révèle sa couleur rouge sombre, la rend peu brillante. Ainsi, elles nous paraissent toutes les deux semblables dans le ciel. L'éclat apparent des étoiles dépend de leur grosseur, de leur distance à la Terre, de leur éclat réel et de leur couleur. Rouge pour les plus sombres, blanc et bleu pour les plus brillantes. Nous voici arrivés au Baudrier d'Orion, dont les trois étoiles bleues ont environ 5 millions de kilomètres de diamètre et sont séparées par 10 000 millions de kilomètres à peu près. Elles ont la même couleur et la même taille, et cependant la plus lointaine nous apparaît comme la moins brillante. Aucun télescope n'est assez puissant pour séparer les deux étoiles de ce couple qui nous apparaît comme une étoile variable. Seule la troisième dimension nous permet d'expliquer les variations d'éclat de cette étoile. Un des partenaires, plus sombre que l'autre, vient à chaque tour masquer son compagnon plus brillant. C'est une variable à éclipse. Privé de sa troisième dimension, redevient familier et reprend son mystère. Depuis qu'ils l'observent, les hommes voient-ils toujours le même ciel? Contemplons-nous toujours des astres identiques et des configurations semblables à ce que voyaient nos ancêtres? Le ciel est-il monotone comme un mécanisme d'horlogerie ou imprévu comme toute créature vivante?
observations très précises faites durant le dernier demi-siècle démontrent que la configuration du ciel n'est pas immuable. La circulation des étoiles déforme les constellations. Il y a 5000 ans, la Grande Ourse devait ressembler à ceci. La voici à présent. Et telle qu'elle sera sans doute dans quelques millénaires. Comme tout ce qui vit, les étoiles s'usent et se consument elles-mêmes. À force d'épuiser leur hydrogène essentiel en des cycles de réactions atomiques, elles mourront. Dans leur jeunesse, les étoiles jettent feu et flamme. Elles sont brûlantes et brillantes. Il n'y a pas très longtemps qu'elles ont été lancées dans la vie céleste. Comme un essaim d'abeilles sort de la vieille ruche, les étoiles se dispersent hors d'un centre. C'est le cas de l'association Zeta Persei, dont la dispersion est toute récente. Il y a 600 000 ans environ, les étoiles qui la composent étaient groupées ainsi. Voici leur évolution et leur situation dans 300 000 ans. Certaines de ces naissances remontent à très peu de temps. Elles sont contemporaines des premiers hommes. Vis-à-vis de ces étoiles-là, notre Terre fait figure d'aïeul. Il existe au ciel des essaims plus compacts que les associations. Ce sont les amas. Voici par exemple l'amas globulaire du Centaure, composé de millions d'étoiles qui restent rassemblées en raison de l'attraction réciproque. Innombrables sœurs, nées ensemble, elles vieilliront côte à côte, chacune selon sa loi. Voici le jeune amas des Pléiades, amas ouvert, nimbé encore de matière interstellaire. Ces nuées gazeuses, plancton de l'univers, obscures à l'occasion reflétant la lumière des astres chauds, sont la substance dont se forment les étoiles. De la matière interstellaire, les étoiles retournent s'y confondre. Ainsi, les novae et les étoiles doubles éjectent dans l'espace d'épais nuages. En couche quasi sphérique, les gaz produits par l'explosion d'une étoile nouvelle se sont dispersés à partir du centre de la déflagration. C'est ce qui s'est passé, par exemple, pour la nébuleuse du Crabe. L'éclatante supernova que les Chinois virent exploser en 1054 n'a pas cessé depuis lors d'étaler à 1000 km à la seconde des figures compliquées et fibreuses. Abandonnons la machine à remonter le temps et quittons cette quatrième dimension qu'est la durée pour partir à la conquête de l'espace avec les grands télescopes. La Terre est entourée de millions d'étoiles qui constituent notre galaxie. De son sein où nous nous trouvons, il est impossible d'en voir la forme extérieure. Dans ce que nous appelons la Voie lactée, nous distinguons seulement la tranche la plus compacte. Notre galaxie ressemble fort à sa voisine que voilà, la galaxie d'Andromède, que nous pouvons regarder de l'extérieur et de loin. La lumière met 100 000 ans à la traverser. Nous y voyons des flocons de matière interstellaire, des amas globulaires, des novae, et ces grands bras spiraux qui paraissent sans bornes, riches de millions d'astres. «
Chacune de ces galaxies est un monde qui tourne, dont les révolutions se mesurent en centaines de millions d'années. Indéfiniment, les étoiles y naissent, d'autres y meurent. Certaines galaxies que nous voyons de travers ou de face ont, comme la nôtre, une forme de spirale plate. Il en est d'ellipsoïdales, de sphériques. Certaines, sorties peut-être d'autres profondeurs du temps, ne possèdent ni matière interstellaire, ni étoiles jeunes. Prenons des instruments plus puissants encore. À travers les mailles lâches du filet d'étoiles proches qui nous entoure, nous apercevons alors une profusion d'innombrables galaxies, si lointaines qu'il faut à leur lumière des centaines de millions d'années pour parvenir jusqu'à nous. Et nous atteignons là, non pas sans doute les limites de l'univers, mais de ce que nous savons en voir. Ce monde des galaxies lui aussi évolue. Tout semble se passer en ce moment comme si l'univers se dilatait, comme si les galaxies s'écartaient les unes des autres à une vitesse proportionnelle à la distance qui les sépare. C'est un phénomène encore mal connu, mais certainement capital. Cette vie abondante et mobile, ce jaillissement renouvelé d'existence, c'est l'univers gigantesque auquel nous appartenons humblement. Revenons à notre galaxie. Nous voici au milieu des planètes familières. Voici notre globe. Sur la Terre, reprenons le rythme de la vie des hommes.